Voici la famille Skouman. Les parents ont recueilli deux petits guépards orphelins et les ont élevés avec leurs propres enfants, Kayla et Malan. Cette vidéo a fait le tour du monde. Je me rends en Afrique du Sud pour voir ce qu'est devenue cette fratrie étonnante. La femelle guépard, baptisée Skyla, vit désormais dans un grand enclos adjacent à une réserve. Voici Skyla. Incroyable. Elle a grandi avec les enfants. Je ne m'aventurerai pas ici toute seule. Skyla est adulte et Ayn souhaite la libérer dans la réserve. Mais il veut d'abord lui apprendre à chasser des proies suffisamment grosses pour pouvoir survivre seule. C'est capital pour elle d'apprendre à reconnaître ses proies, de se dépenser et de s'entraîner à tuer et à chasser avec succès. Cette réserve de 2400 hectares abrite un grand nombre d'animaux sauvages. Ce sera bientôt le nouveau foyer de Skyla, à condition qu'elle fasse ses preuves. Son instinct de grand prédateur doit prendre le dessus. C'est bien, elle a déjà tué plusieurs proies toute seule. Les premières fois, elle les coursait, mais ne les attrapait pas. Elle doit impérativement passer par cette phase de réadaptation. Vous n'êtes pas un peu triste? Si, bien sûr. Elle va vous quitter. Ouais. Vous êtes partagé, j'imagine. Oui, c'était une belle expérience. Skyla a été élevée par une famille humaine. Mais elle mérite de retrouver sa liberté. Maintenant qu'elle a appris à tuer, la guéparde ne peut plus aller et venir librement avec la famille. Sky. Mais en attendant qu'elle soit relâchée dans la réserve, Sky. Go. Le fils de Ayn ne manque pas une occasion de venir lui rendre visite. Go. C'est fou. Car le lien le plus fort dans la famille n'est pas entre Ayn et Skyla. Voici le fils de Ayn. Il a 4 ans. Malan et Skyla ont grandi ensemble. Quand Skyla était toute petite, elle dormait dans mon lit. Tu as grandi avec elle? Elle était haute comme ça. C'est tout? Regarde comme elle est grande maintenant. Elle est très grande. C'est assez surprenant de voir un petit garçon de 4 ou 5 ans parler à un guépard comme si c'était un chiot. Il veut aller dire bonjour à son ami. Skyla est avant tout une prédatrice. Mais Ayn Skouman est convaincu qu'elle considère Malan comme son frère. Sa mère, Kim, les tient à l'œil. J'ai un fils aussi, et je n'en crois pas mes yeux. Comment c'est arrivé? C'est unique. On ne voit pas ça tous les jours. Elle pourrait lui faire du mal. C'est vrai. Mais il ne craint absolument rien. Elle ronronne du début à la fin, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Je t'aime, Skyla, parce que tu es gentille. Qu'est-ce qui se passe entre eux dans ces moments-là? Ils sont comme frères et sœurs. Ils se font des câlins. Il ne se souvient pas d'avoir vécu sans elle. Elle fait partie de la famille. C'est aussi mon enfant. Cela fait 3 ans que Skyla et son frère Waku ont été secourus, quand Ayn a découvert que leur mère ne parvenait pas à les nourrir.
Racontez-moi, votre mari est rentré à la maison avec deux bébés guépards. C'était un peu intimidant au départ. On avait un bébé de 3 mois. Malan avait 2 ans et on se retrouvait avec 2 guépards de 3 semaines. Après avoir essayé de tenir les félins à l'écart, Kim a fini par les intégrer à la vie familiale. On a essayé, sincèrement. Mais avec 3 bébés au biberon et un petit garçon qui avait besoin d'attention, tout a fini par se mélanger. Il y avait toujours un biberon à chauffer, on les stérilisait tous en même temps. On mettait tous les petits dans le même lit. Pour moi, ils étaient comme 2 bébés qui avaient besoin d'un foyer. On en avait un, alors on a fait en sorte que ça marche. On savait dès le début que ce ne serait pas facile. Mais on s'est dit qu'en faisant attention et en gardant à l'esprit que c'était des animaux sauvages, on y arriverait. À quoi pensez-vous quand vous voyez Malan avec elle maintenant? Elle s'est montrée capable de survivre à l'état sauvage. Malan est là pour assister à cette étape et c'est important. Il joue un rôle dans cet engagement qu'on a pris envers elle, celui de lui rendre sa liberté. Est-ce qu'il comprend? Oui, il comprend. Il sait qu'il a fait une bonne action. Cette proximité entre l'enfant et le guépard n'est possible qu'en raison de leur relation fraternelle. Ce que je retiens de tout ça, c'est que si on fait confiance à un bébé prédateur, dans le cas présent un guépard, au point de l'élever avec son propre enfant et de les materner ensemble, alors des liens très forts peuvent se tisser entre eux. Et je pense qu'on devrait en tirer une leçon.